une telle vitesse. On est invité à l'atelier de l'artiste peintre Hamid El-Hassouni. Hamid El-Hassouni est un artiste peintre autodidacte. C'est un créateur au plusieurs domaines, le théâtre, le chant, ainsi de suite jusqu'à la peinture. On me laisse à Hamid El-Hassouni l'honneur de se présenter à notre cher. Bonsoir, je me présente. Je m'appelle Hamid El-Hassouni. Natif de la ville de Midel, c'est un peu plus au sud, à 150 km à vrai dire, d'ici, d'El Hajeb. Je suis fonctionnaire et j'ai beaucoup de loisirs. Dans ce que vous voyez, je fais un peu de sculpture, un peu de collage, un peu de dessin, un peu de tout, même de musique. Voilà, et je suis très honoré d'être parmi vous ce soir avec mon ami Dachour. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'était le début au domaine de l'art plastique? Comment vous avez pu enrichir votre expérience? Est à vous la parole, monsieur. Merci. À vrai dire, tout a commencé aux alentours de l'an 2000. J'ai commencé par faire un peu de maquettes avec du bois. Je travaille du bois, des maquettes comme celle-ci. Voilà, c'était mon premier travail, comme ça. Puis des maquettes comme celle-ci qui est là-bas, même si elle n'est pas bien claire. Ainsi, j'ai pu constater qu'il y a aussi des figurines, ça veut dire de la sculpture. De la sculpture, oui. J'ai commencé à faire ça quand j'ai connu le bois. Puisque mon atelier se trouve à côté de beaucoup de menuisiers et tout ça, il y a du bois, surtout le cèdre. J'aime beaucoup le bois, j'aime son odeur et j'ai essayé de travailler avec mes moyens de bord. Voilà, comme celui-là ici. Monsieur Hamid, on sait bien que vous avez plusieurs hobbies. Quels sont vos projets futuriels? Au futuriste. Mes projets pour l'instant, je continue mon chemin avec le dessin, la peinture et tout ça. Et je fais du théâtre, j'aime le théâtre. Et j'ai beaucoup donné pour le théâtre. Et j'espère créer une association, même un club, où tout sera autonome, où on pourra faire des pièces théâtrales locales. Voilà. Bravo là. Parce que je vois dans notre ville, El Hajeb, il y a toujours des équipes qui viennent d'ailleurs. Alors, pourquoi pas d'ici? Des troupes théâtrales qui viennent d'ailleurs. Voilà. Oui. Pourquoi pas d'ici? On accueille maintenant Saïd Bendine, l'ami de Ferrand. Bendine Saïd, avec le grand merci, bien sûr. Merci à vous, cher monsieur Ali. Bonsoir. Je suis Saïd Bendine. Donc, déjà, on partage quelque chose. Hamid et moi, on partage la ville natale, Midelt. Soit. On sait bien, monsieur Saïd Bendine, que vous êtes l'ami intime de Hamid, puisque vous avez partagé une enfance dans un entourage tel que Midel, Tahouli. Donc, si vous pouvez nous parler de Hamid, l'enfant, comment il était? Bon, Hamid ne dépasse en termes d'âge. C'est l'âge de mes grands frères. Donc,
À l'enfance, on n'avait pas vraiment beaucoup de choses à partager, sauf la terre, Nils, la Hudi. Et c'est là, je crois, c'est là tout le début d'une relation qui surgira après Aïl Hajab. C'est Aïl Hajab qu'on est devenu vraiment des amis. Oui, suite l'approche du milieu. Mais comment vous avez reçu que Hamid, la découverte de Hamid l'artiste, comment vous l'avez vécu, proprement dit? Je l'ai découvert un peu tôt. Une fois, j'étais moi-même à Rabat, je lui ai rendu visite à sa demeure, à sa maison. Et là, j'ai vu que l'endroit jaillit d'art. C'était le premier contact avec Hamid l'artiste. Puis, cette vision de l'artiste a pris son ampleur à l'atelier que vous voyez devant vous. Parler de Hamid est un peu difficile pour moi, tant au niveau de l'homme que de l'artiste. L'homme, c'est un homme à grand cœur, à cœur ouvert. Elle se donne aux autres. La générosité de l'artiste, oui, proprement dit. Non, c'est d'abord l'homme. L'âme d'artiste. C'est d'abord l'homme. Pourquoi ce point? Parce que sa personnalité en tant qu'homme se reflète bien dans ses œuvres. Ses œuvres. Oui, j'ai vu Hamid commencer des tableaux. Il me demande quand il me demande mon avis. Ah ben, je ne donne pas mon avis tout de suite parce que je sais que ce tableau va souffrir entre les mains de Hamid. C'est vrai parce que il se donne aussi, il se donne aux autres. C'est l'incarnation de l'abnégation, mais il se donne aussi vivement dans son art. C'est l'engagement de l'artiste. C'est l'engagement de l'artiste. Okay. Et c'est un artiste, c'est le premier artiste que je connaisse qui n'a pas de but lucratif et qui travaille avec des moyens de bord, mais qui fait ressortir des choses magnifiques. Des merveilles. Des merveilles. Donc, c'est ça ce que je peux dire à propos de Hamid, mon ami. Il faut le voir. Faut voir ses œuvres. Pour savoir la difficulté de témoignage à propos de cet homme artiste. Maintenant, monsieur Saïd Bentine, on va piocher plus loin. On sait bien que vous êtes aussi un créateur au domaine littéraire. Alors, si vous pouvez nous parler de votre expérience au domaine de la création littéraire, la poésie bilingue ou trilingue, à vous de nous ouvrir votre cœur d'artiste, de créateur, merci. De sage, du tout. Merci, cher Adel Ali. Et ben, voilà un autre point
de rencontre avec Hamid. Hamid est un artiste multidisciplinaire. Et on se rencontre à ce point. Si vous pouvez nous rendre un honneur de nous citer ou réciter une de vos poèmes après votre accord, bien sûr. Si c'est pas possible, parce qu'on sait bien que les poésies, ça...